Voilà. Bonsoir à tous. Moi, c'est Edoxie Yao. Je ne suis plus à présenter, mais pour ceux qui viennent de me connaître, je suis ivoirienne de père et de mère vivant en Côte d'Ivoire. Artiste chanteuse, à la base esthéticienne diplômée d'État, j'ai le CAP en esthétique. Bon, le but de ma vidéo de ce soir, c'est un peu un ras-le-bol. Moi, si tu vas m'insulter jusqu'à... Je m'en fous de cela. Mais quand tu attaques quelqu'un que j'aime, je peux parler. Sinon, moi, tu vas m'insulter. C'est quoi, moi, on ne m'a pas dit dans ce pays-là. On m'a tout dit. Moi, aujourd'hui, là, je m'ignore de ce que les gens peuvent penser. Parce que les mêmes personnes qui m'insultent, là, c'est les mêmes personnes qui vont me voir dans les rues, vont sauter sur moi, venir prendre les photos. Donc, peu importe ce qu'on peut dire de moi, je m'en bats les couilles. Mon affaire de grand-père, à la base, c'est quelqu'un qui a besoin d'amour. Il a souffert dans sa vie. Grand-père a connu la souffrance. Grand-père est un être humain créé par Dieu. Donc, je ne peux pas permettre que quelqu'un se lève pour venir dire que grand-père est un génie, j'ai eu mal. Il ne faut pas me la m'occuper. J'ai eu mal. Parce que je m'affiche avec grand-père, certaines personnes se permettent de dire que c'est un extraterrestre. En plus, c'est un Ivoirien. Ça ne se fait pas. Excusez-moi, c'est pas me laver le plaisir, j'aime pas ça. J'ai eu mal, j'ai été choquée. Comment traiter la créature de Dieu? Un être humain que Dieu a créé, comment vous pouvez le traiter de génie? Mais c'est grave. Si je m'affiche avec grand-père, c'est mon problème. It's my problem. Si notre affaire de mariage, si c'est un buzz ou c'est la réalité, c'est notre problème. On ne force personne à nous suivre. On ne peut pas forcer quelqu'un à suivre. On ne peut pas forcer quelqu'un à suivre quelqu'un. Donc, vous permettre... Moi, m'insulter, je m'en bats les couilles. Mais le traiter de génie, la personne qui a fait ça, là, c'est trop fort. C'est pas lui qui s'est créé. Hein? C'est pas lui qui a demandé à être malade. C'est un être humain comme nous. Donc, vous voulez que... On n'a qu'à lui rappeler qu'il est malade. Vous voulez qu'on lui rappelle qu'il n'est pas pareil comme nous. Non. Les Ivoiriens, vous avez un incroyable talent. Après ça, quand les autres peuples vont se lever pour dire que nous sommes xénophobes, vous allez vous plaindre. Pourtant, l'Ivoirien n'est pas xénophobe. Mais c'est notre bouche là qui va nous tuer. Avant de prendre la parole, quand on dit qu'on est blogueur, on doit peser ce qu'on dit. On doit peser. Dieu a créé l'homme avec la parole. C'est pour dire que la parole est très puissante. La parole peut construire et la parole peut te détruire. Plus jamais quelqu'un va se lever encore pour dire que grand-père c'est un génie. Pourquoi je m'affiche avec lui? Pourquoi j'ai créé le buzz avec lui? Plus jamais. La personne qui a dit ça, là, je ne peux même pas lui faire cette grâce-là, mais de prononcer son nom. Ce serait trop même le considérer. Mais plus jamais tu vas considérer grand-père des génies. Plus jamais. Parce que toi, tu n'étais pas créé. Hein. Tu peux créer un être humain. De quel droit toi, tu vas te lever pour dire pourquoi moi, je m'affiche avec grand-père? De quel droit? La personne même qui doit se plaindre ne se plaint pas. C'est mon corps. Je le donne avec à qui je veux. C'est ma bouche. J'embrasse qui je veux. Si je veux marier un étranger, je veux marier un étranger. Dieu nous a tous créés uniques. Dieu ne connaît pas affaire d'étrangers. C'est nous les hommes, nous-mêmes, qui nous divisons. Donc celui qui s'est permis d'insulter mon mari grand-père, moi je ne vais pas t'insulter, mais tu es allé un peu trop loin. Ça ne se fait pas. Demain, tu peux avoir un enfant qui est malade, tu peux avoir un enfant qui peut avoir sa maladie. Donc de quel droit? Tu vas te lever, tu vas t'asseoir sur tes pieds pour le traiter comme ça. Je suis au regret. Il a besoin d'amour. Même moi-même, être humain qui est là, là, j'ai besoin d'amour. Une fois, j'ai fait une interview, on m'a demandé qu'est-ce qui me ferait plaisir.
où j'ai dit, j'aime quand on me dit, je t'aime, c'est trop doux. Et puis les gens commençaient à se moquer, les gens copient souvent la vidéo, la partie où ils disent, c'est trop doux. L'être humain en lui-même a besoin d'amour. Grand-père n'a pas connu l'amour. Il a connu la souffrance. Mais quand Dieu veut te bénir, un seul jour, ton heure va sonner. Il a vu Alpha, il a dit à Alpha d'être son manager. Alpha aussi, c'est un battant. Il a frappé de porte en porte. Ils sont tombés sur des personnes, ils ont des parrains. Je ne vais pas dire leur nom. Un de ses parrains a acheté son billet, il est parti pour la Coupe d'Afrique. Là, c'était en Égypte. C'est comme ça, sa célébrité a commencé. Il est venu à Abidjan, moi je n'étais pas à Abidjan. Ah, il est Médoxy. Je suis parti le soutenir pour son concert. Voilà, c'est ça, grand-père dit, veut me marier. Que ce soit la réalité ou que ce soit le buzz, votre problème, il est où? Le simple fait que grand-père soit content, le simple fait qu'il est avec moi, il est content, là, ça me suffit largement. Donc, je ne permets pas que quelqu'un va se lever pour venir l'insulter. Cette même personne, il y a 11 000 connectés, mais vous êtes affaireux. Cette même personne qui a dit cela s'est permis de dire que moi, je ne fais pas honneur à la Côte d'Ivoire. Laisse-moi rire. Je ne vais pas me vanter, hein. Mais les Américains, même, me veulent. Je ne vais pas me vanter. Mais les Nigériens, ils me veulent. Ils font des reportages sur moi. Quand je vais au Nigeria, ils disent, voilà, on dit, c'est faux. Ils veulent me voler en tant que Nigérien. Les Américains font des reportages. Ils disent, elle est américaine. Les gens se déplacent. Vous voyez que le Vesoun, un journal anglais, ils ont déjà parlé de moi il y a quelques années, hein. Là-bas, on ne parle que des superstars. On ne parle pas de n'importe qui là-bas. Ils ont parlé de moi, le Daily Mail. Les stars américains, les multimilliardaires ont parlé de moi. Ils ont fait des reportages sur moi. Et quand j'ai même les captures, Birdman, des milliardaires. Même Kim Kardashian me connaît. Mais moi, je m'en fous de ça. Je n'ai pas la grosse tête. Je me dis que c'est une grâce de Dieu. Même si mes frères ivoiriens me rejettent, je m'en bats les couilles. Ce qui est sûr, je sais que de la manière qu'ils m'insultent, là, c'est pas si même qu'ils m'insultent. Parce que quelqu'un que tu n'aimes pas, tu ne vas pas prendre ton temps pour l'insulter. Donc, moi, m'insulter, là, ça ne me fait rien. Mais venir insulter quelqu'un qui est malade, le traiter de génie ou d'extraterrestre, je trouve que la personne a poussé un peu le bouchon un peu trop loin. Ça ne se fait pas. Ça ne se dit pas. Et moi, je m'affiche avec qui je veux. Personne ne peut m'empêcher. La personne qui doit se plaindre ne s'est jamais plainte. La personne me soutient dans ce que je fais avec grand paix. Les Guinéens me soutiennent dedans. Et vous savez, quand la famille de grand paix avait récupéré grand paix et son manager n'avait plus accès à lui, les Guinéens n'ont pas fait vidéo pour m'insulter, pour dire que moi j'ai abandonné grand paix. Vous vous rappelez pas? Hein? Son manager l'a repris. Ils sont venus en Côte d'Ivoire pour me voir et faire un featuring avec Safarel. Ils sont venus, les premiers jours, j'étais avec eux. Après, mais je les ai laissés. Puis à chaque moment que je me connectais, je voyais qu'il est parti saluer le temps. Son manager m'appelle, mais il s'est fâché. Il dit, normalement, on doit être ensemble tous les jours. Il dit, c'est pas fou, mais je voulais vous laisser un peu le temps. Vous voulez que j'abandonne grand paix pour votre propre plaisir? Tu penses que même si on fait le buzz, c'est vrai qu'on parle de nous, on n'a pas provoqué. Hein? Le buzz, là, c'est Dieu qui donne, hein? C'est Dieu qui donne. Ça fait combien d'années que je buzz? Donc, je ne permets pas que vous allez venir insulter grand-père. Je ne permets pas. Moi, insultez-moi. Mais lui, je ne vous permets pas. Grand-père n'a pas besoin qu'on lui rappelle qu'il est malade. Il n'a pas besoin de ça. Grand-père n'a pas besoin qu'on lui rappelle qu'il n'est pas comme nous. Parce qu'il sait. Vous le voyez comme ça, il est très conscient, il est très intelligent. Il a trop souffert. Lors de sa gloire a sonné. L'heure de sa bénédiction a sonné. Il doit être heureux et entouré des gens qui l'aiment. Donc je ne peux pas permettre que quelqu'un va se lever pour venir l'insulter. La vidéo là m'a blessé. La vidéo là m'a déchiré le cœur. La vidéo là m'a fondu le cœur. Les gens aiment les Ivoiriens, hein? Mais notre bouche est sale. On a une sale bouche. Le blogueur, revoyez-vous. Revoyez-vous, parce que dans le monde entier, là, on nous aime. Hein? On nous aime. Mais vous aimez trop insulter. Donc, revoyez-vous. Ce même blogueur s'est permis de dire que c'était pas l'artiste là qu'on devait dire que sa musique donne l'envie de se suicider, que c'est plutôt à moi qu'on devait dire ça.
Mais je suis désolée de te dire que tu es un gros menteur. Moi, je n'ai jamais voulu chanter. C'est en 2018, j'ai dit à mes fans en 2017 que depuis 16 000 qu'on était mes bébés. J'ai dit à mes fans que depuis en 2017 que depuis début 2018, je vais commencer à chanter. Ils ont commencé à se moquer. Ils ont dit, celle-là va chanter quoi? Elle va chanter mes fesses haut, mes fesses, mes seins haut, mes seins haut. Mais quand j'ai fait sortir Never Give Up, waouh! Les Ivoiriens m'ont félicité. De part et d'autre, on m'a félicité. On m'a dit, Doxy, déjà, façon tu as monté ta forme, déjà, tu as un talent. On m'a dit que je sais chanter. Never Give Up, c'est une tuerie. Beaucoup de fans, que ce soit blanc ou chinois, ils connaissent Never Give Up par cœur. Mon son, dis-moi, c'est une tuerie. Parce que moi, je me lève pas comme ça pour entrer au studio, je fais des tests. Donc, personne ne peut me déstabiliser sur ce point-là. Pour dire que c'est à l'autre, c'est pas à l'autre, on devait dire que c'est à moi. Tu as voulu me. Tu veux me diminuer, me rabaisser en disant que moi, ma musique donne l'envie de se suicider sur regret. Avec cette musique-là, je fais des tournées et guichets fermés. J'ai jamais fait un concert qui n'est pas à guichet fermé. Dieu me fait grâce. Demandez aux étrangers, demandez au Burkinabé, demandez aux Béninois. Parce que c'est plus là-bas que je tourne. Je fais guichet fermé. Je suis une grâce vivante, je suis une grâce de Dieu. Mes sons ne passent pas sur les grandes chaînes de télé comme Trace, tout. Mais les gens connaissent mes sons. Je sais faire ma promotion. Je sais utiliser les réseaux sociaux. Quand je snap, je snap sur mes sons. Donc, mes fans, au moins une petite partie, un titre de ma musique, ils retiennent. Donc, ce que tu racontes, c'est du pipeau. C'est du n'importe quoi. Je ne te le permets pas. Ça prouve que tu es en France, mais tu n'es jamais sorti. Les Ivoiriens sont beaucoup aimés. Mais de la même manière que les Ivoiriens sont aimés là, c'est comme ça aussi, ils souffrent aussi dans d'autres pays. Un s'est levé, un blogueur s'est levé pour parler du Burkina, pour inciter les gens à la haine, pour dire que les gens s'élèvent pour chasser les Burkinabés. Ils oublient que nos frères et nos soeurs ivoiriennes sont remplis au Burkina. Cette même personne qui a osé mal parler de Burkinabé pour inciter les gens à la haine, lui-même, il est calé aux États-Unis. Au Burkina, les DJ, ce sont les Ivoiriens. Les serveuses, ce sont les Ivoiriens. Quand je m'en vais faire mes prestations, quand j'ai fini mes concerts, elles viennent prendre des photos avec moi, elles vont me dire, je suis ta soeur. Les Ivoiriens aussi souffrent ailleurs. Ils vont se chercher. Vous pensez que ça, avant, on était petit, les Ivoiriens ne sortaient pas. Depuis qu'on a connu la crise, les Ivoiriens sortent. Aussi souvent souffrir dans d'autres pays. Donc on doit, quand on parle d'un étranger, on doit parler avec respect. Parce que tu ne sais pas où ton frère souffre quelque part. Tu ne sais pas. Si vous ne pouvez pas parler d'amour, ne parlez pas. Ne parlez pas. N'incitez pas les gens à la haine. N'incitez pas les gens à la haine. Je n'ai vraiment pas apprécié la vidéo de ce gars. Pas parce qu'il m'a insulté, mais le fait d'insulter grand-père. Je trouvais qu'il allait un peu trop loin. Il allait un peu trop loin. Donc, mes amours de la Guinée, je vous demande pardon. Parce que c'est un Ivoirien qui a osé faire cela. Je vous demande pardon. Pardon de tout cœur. Cette affaire de grand-père, je ne joue pas avec lui. Il m'aime, je l'aime, il a besoin d'un amour. Je lui apporte mon amour et mon soutien. Point bas. Je ne profite pas de lui. Il ne profite pas de moi. C'est Dieu qui bénit, c'est tout. Et personne ne pourra nous empêcher de nous voir. Donc, le but de ma vidéo d'aujourd'hui, c'était pour dire que cette personne qui a fait cette vidéo, il est allé un peu trop loin. Je suppose, j'ose espérer qu'il a fait pour s'amuser. Mais il est allé un peu trop loin. J'espère que plus jamais, ça ne va se reproduire. Plus jamais. Donc, c'est ce que j'avais à dire, mes bébés. J'ai eu trop mal au cœur. J'ai eu trop mal au cœur quand j'ai vu cette vidéo. Maria, Marine aussi là. Merci beaucoup pour le conseil. Tu es très réfléchie, ma soeur. Merci. Je suis de tout cœur avec toi, Lancine. Lancine est en rue. Je suis de tout cœur avec toi. Tu,
tu progresseras dans la vie. Excuse-moi. Amen, amen. Celui qui dit qu'il a mal de grimper, vos messages passent vite, vite. Juste rendre compte ce qui n'est pas un humain, il est sans cœur. Je te dis fausse. Comment il peut se permettre d'insulter quelqu'un mais qui est déjà malade, qui a souffert dans sa vie, qui veut oublier ses soucis, parce que je m'affiche avec lui et dis que c'est mon mari, santé, c'est sorti là-bas. Il ose l'insulter. Ok, si je fais mon enfant, et si je fais un enfant avec un grand-père, avec grand-père, faut pas, moi, de laisser l'enfant en Guinée. Moi, j'aime la Guinée. Je vais aller vivre en Guinée même. Quand l'élection même se rapproche là, il m'en veut faire même. Il a commencé à chercher une résidence là-bas pour aller même faire 2 mois. Je vais aller m'installer en Guinée ou au Burkina Faso. Moi-même, je n'aime pas rester en Côte d'Ivoire. J'aime mon pays, mais mon pays là ne m'apporte rien. Hein. Mais truner, là, l'argent que moi je gagne, ça vient de l'étranger. Quand je vais faire mes tournées au Burkina, sur le Burkina, je trouve mes millions. Quand je m'en vais au Bénin, c'est au Bénin. Quand je vais dans d'autres pays africains, quand je vais en Guinée aussi, je prends mes millions, je viens. En Côte d'Ivoire ici, là, vous m'apportez quoi? Quand on fait un événement, tout est cadeau, cadeau, cadeau. Donc, je ne vous permets pas d'insulter les gens qui me soutiennent. Que ce soit moralement, financier, je ne vous permets pas. Non, non, non. Je suis une grande fille, je suis un vieux piment. Il sait ce que je fais. Je sais ce que je fais. Si mon affaire de grand-père, ça ne vous plaît pas, ne nous suivez plus. Ne nous suivez plus, ne venez plus sur ma page. Ne venez plus sur ma page. Moi, je n'ai pas le temps de répondre aux gens. Je m'en fous si on m'insulte. Moi, je suis habituée à cela. Mais insulter quelqu'un qui est malade physiquement, non, 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 mais c'est grave. Qu'est-ce qui vous arrive même? Est-ce qu'on peut forcer ce qu'avoir à ce colombe? La célébrité, là, c'est Dieu qui donne. Peut-être d'autres sont chercher les célébrités ailleurs, mais c'est Dieu qui donne. Hein? C'est Dieu qui va permettre que les gens viennent te suivre. Si tu sais faire, les gens vont te suivre. Si tu arrives à captiver les gens sur les réseaux sociaux, les gens vont te suivre. Mais pourquoi vous êtes des blogueurs, puis vous venez insulter les gens matin, midi et soir? On peut donner son point de vue. C'est normal. Tu peux parler. Mais tu peux parler sans insulter, sans insulter. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, qui peut interdire qui de parler? On peut parler sans insulter. Sont des personnes exemplaires. L'homme n'est pas parfait, mais essayons d'être parfait. Essayons d'être parfait. Tu as eu une bonne éducation, Angélique Clara. Au talent insulter sa mère, mais toi, tu t'adresses uniquement à lui, surtout avec respect, dans le respect. Courage à toi, continue de soutenir grand-père. Angélique Clara. Oui, je n'ai rien contre lui. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il a le droit de donner son point de vue. Il a le droit. Mais venir insulter grand-père parce que je m'affiche avec grand-père, non, mais c'est grave. Vous pensez que grand-père qui est là, il n'est pas conscient? Grand-père est conscient, hein? Il est très intelligent, reconnaissant, gentil. Quand quelqu'un a souffert dans sa vie, là, il a besoin d'amour. Il a besoin d'amour, de soutien. C'est tout. Quand même, on ne nous voit plus ensemble pendant un temps, on se poste, les Guinéens même se plaignent. Et donc, si tu as abandonné grand-père, Grand-père est venu à Abidjan encore, on est ensemble encore. Ce n'est pas les Guinéens maintenant qui se plaignent, c'est les pauvres frères Ivoiriens. Que moi, je laisse les Ivoiriens pour aller m'afficher avec grand-père pour faire le buzz. Le buzz, on ne le provoque pas. Non, c'est juste à afficher. Maintenant, si les gens nous aiment, si on fait rire aux gens, tant mieux. Le buzz, on ne le provoque pas. Donc, mes bébés, c'était le ras-le-bol. Soyons des personnes aimantes. On n'est pas obligé d'insulter quelqu'un pour dire ça pas de vérité. On n'est pas obligé. Bravo, ma fille. Grand-père, c'est une créature de Dieu vivant.
Donc, ceux qui l'insultent, là, laisse-les avec le cœur. Tes énergies, je te dis, ils sont allés un peu trop fort. Ça m'a brisé. Hein? Ah. Jusqu'à présent, j'ai des migraines. Il faut que je cherche Doliprane pour prendre. Sinon, j'ai eu trop mal. Est-ce que vous savez comment les Guinéens aiment les Ivoiriens? Avant même de connaître Grand P, je suis partie en Guinée pour un événement, là, le Quoi du riz, là. De toute façon, les Guinéens m'ont accueilli. Les Guinéens respectent les gens. Les Guinéens respectent, ils aiment les étrangers. Et puis, vous allez vous permettre d'insulter un Guinéen parce qu'il s'affiche avec moi. En plus, cette personne est malade, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Revoyez-vous. Revoyez-vous. Avant de parler, là, tournez votre langue là. Cette fois. J'ai vraiment pas aimé la vidéo. J'ai vraiment pas aimé la vidéo que j'ai vue là. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Je suis libre de ne pas aimer comme d'aimer. Mais on n'est pas obligé d'insulter. Merci pour ce que tu fais, pour l'amour que tu donnes à Grand Père Seigneur quand vous êtes ensemble. Et merci à Manuel. Merci mon bébé. Vis ta vie comme tu le veux. C'est pas eux qui payent ton loyer, qui s'occupent de leurs problèmes. Magandje Fofana. Merci, c'est gentil. Adra Show, on t'aime beaucoup, on est fiers de toi. Oh, je vous aime aussi, mes bébés. Big up à vous. Vraiment, ça se voit que tu as une très bonne éducation. Exprimer son mécontentement sans insulter, c'est un acte très grand. Tu es une sage. La garée de waouh, waouh, big up à toi, c'est fort. C'est ce que je dis. On peut exprimer son mécontentement sans insulter. Merci beaucoup. Tu es un Ivoirien compétent, vraiment. Que Dieu te bénisse. Tu n'es pas xénophobe. Des Bruno de Bruxelles. Les Ivoiriens ne sont pas xénophobes. Ils aiment les étrangers. Je te le promets. Mais ils aiment trop s'amuser. Leur bouche là. Ils parlent quoi. Ils parlent, je peux dire, sans réfléchir. Sinon, les Ivoiriens ne sont pas xénophobes. Ils aiment beaucoup les étrangers. Vous allez voir même qu'en Côte d'Ivoire ici, des étrangers ont des magasins, ils ont plein d'activités, mais dans d'autres pays là, comme au Ghana, comme ça là, tu n'es pas Ghanéen ou Ghanéen, tu peux pas avoir un magasin, c'est impossible. Donc, d'autant disent même que la Côte d'Ivoire c'est pour tout le monde. Les Ivoiriens sont très hospitaliers, très gentils, mais c'est nos bouches là qui va nous tuer. On n'a aucune limite dans nos bouches. Donc, c'est pour cela que j'ai eu très mal. I love you, my sister. Jenobu Tunkara. I love you too. God bless you. God protect you. God give you a long life. C'est que Dieu te donne une très longue vie. Oh, c'est très méchant d'insulter quelqu'un comme Grand P. Sachez que Grand est comme nous, donc arrêtez de parler mal. Demandez, Waraba, c'est toi qui as raison. Donc moi, je peux permettre qu'on m'insulte, moi. Parce que le fait même de m'insulter, mais Dieu m'élève, je m'en fous. On m'a tout dit. Des méchancetés qu'on ne doit pas dire à un homme. Moi, on m'a dit. Mais qu'est-ce que ça a changé? Dieu a fait de moi une célébrité. Je suis connue dans le monde entier. Les plus grandes presses du monde entier ont parlé de moi et continuent de parler de moi. C'est une grâce. Des Japonais, des Londoniens se sont déplacés, venus faire des reportages sur moi. C'est une grâce. On ne parle pas comme ça de tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc, un jus là, ça ne me dit rien. Moi, je n'ai jamais su que mes frères ivoiriens ne m'aimaient jusqu'à ce que j'ai mon problème en France. Tellement ils sont habitués. Tellement ils sont habitués à m'insulter là.
Je n'ai jamais su que mes frères et frères m'aimaient. Hein. C'est quand j'ai eu mon problème en France, là, que j'ai su que mes frères et frères m'aimaient. Non. J'ai reçu un soutien incroyable, je peux dire. Sinon, je ne savais même pas que mes frères et frères m'aimaient. C'est quand j'ai eu mon problème, là. Donc, mes frères et frères, revoyez-vous. Revoyez votre bouche, là. Merci beaucoup, ma chérie. Tu es un amour. Nous t'aimons beaucoup. Et ton amour est encore plus sanguiné. Merci. MK Kamis. Merci. En tout cas, big up à la Guinée-Conakry. D'où vient mon mari, Grand-Pé? Je leur dis big up, pas par rapport à Grand-Pé, mais parce que j'y allais déjà avant Grand-Pé. J'ai toujours reçu de très bons accueils. Ils sont toujours bien occupés de moi. Même quand je suis partie pour le concert de Grand-Pé, quand j'ai eu l'argent par rapport à une publicité que j'ai faite et que j'ai exposé l'argent pour dire que j'allais faire des dons à l'orphelinat, il y a une blogueuse guinéenne qui a partagé cette partie-là pour m'insulter. Mais les Guinéens l'ont recadré. Hein. Ils lui ont dit, Doxy est venue en Guinée, là. Elle est venue pour travailler. Elle a eu son argent, elle mérite son argent. Laissez-la faire de son argent ce qu'elle veut. Les Guinéens, là, eux ne parlent pas pour parler, ils parlent dans la vérité. Un Guinéen ne peut pas s'élever comme ça. En tout cas, la majorité ne peut pas s'élever comme ça pour t'insulter. Non, non, non. Même si tu es leur propre frère, que tu insultes quelqu'un, ils ne seront pas d'accord avec toi. Tu comprends? Voilà, donc big up à la Guinée. Je vous aime tous énormément. Ça n'a rien à voir avec Grand-Pé, que ce soit mes amours aussi du Burkina, je les aime énormément. Mes amours du Bénin, je les aime énormément. Mes amours du Sénégal aussi, je vous aime énormément. Mes amours du Cameroun, partout dans le monde, je vous aime énormément. Je vous aime énormément. Le beau couple de l'Afrique, c'est vous, je vous aime. Merci. Larry Angay, tu as un cœur en or. Continue de donner ton sourire à Grand-Pé. Merci, Larry. Là, attends. Mamadi Sam Kondé. Nous t'aimons, oh, vive la Guinée, vive la Côte d'Ivoire, la première dame de la République. Mon mari est le futur président de la République de la Guinée. I really like you so much. God bless you, you more. Watching you from Italy. Charles Egan, thank you so much. God bless you too. I love you so much. Big up à toi. Big up, big up. You are so beautiful. And Grand-Pé are lovely, beautiful together. Scott, mes fans anglophones, ils sont venus, hein. Il y a Mawa aussi qui dit, c'est ma première fois de te suivre. Je ne suis même pas abonnée sur ta page. Je défilais et j'ai fait une pause. Mais tu es une personne de bonne moralité. Merci, Mawaya Dwaoundé. Thank you so much. Ah, les anglophones ont débattu. Oui, the Guinean, we love you. To let be strong, may Allah God bless and protect you. Thank you so much. Thank you so much, Jalo. Sagesse, bravo, merci. Tu es libre de faire ce que tu veux. De toutes les façons, personne dont nous ne te nourrirons. Donc, continue d'aimer Grand-Pé comme tu le fais. À ma mari, oui, je vais continuer. Je vais continuer à aimer Grand-Pé. Mais le but de cette vidéo, c'est parce que ils l'ont insulté, le traité de génie d'extraterrestre. J'ai eu trop mal. J'ai eu trop mal, quoi. La personne a atteint certaines limites. J'ai eu trop mal. Ça veut dire là où la douleur s'arrête, là. C'est là que comment commencer. J'ai eu trop mal. Je n'ai pas pu supporter. Tu es trop gentil. On t'aime beaucoup depuis le Congo. Merci. Deti Dikuta. Thank you. Salut, système. Merci pour toute ton affection envers notre frère Grand-Pé. Grand-Pé. René depuis Nice. Longue vie à toi.
Tu as un grand cœur. John Elior, merci mon bébé, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va t'en parler. Il faut continuer pour les, pour l'amour de grand-père avec une Guinée, quoi. Maman dit si c'est, j'arrive pas à aller. Mes amours du Congo, Kinshasa, tu nous aimes énormément. Et du coup, pourquoi tu dis jamais de Congo? Jennifer, big up à toi depuis le Congo. J'aime et j'adore les Congolais. J'ai été au Congo, Kinshasa et à Brazzaville. Franchement, j'ai reçu un accueil incroyable. Vous débordez d'amour. C'est vrai, hein, c'est vrai. C'est vrai que c'est rare que je parle de mes amours du Congo. Big up à tous mes loves depuis le Congo. Que la paix règne toujours au Congo. Je vous love aussi. C'est vrai que je vous oublie souvent. Mille excuses. Eddie, tu es magnifique, s'il te plaît. Lis jusqu'au bout. Tu as encore des rêves, mais s'il te plaît, revois un peu tes sourcils. Tu seras un peu belle et naturelle. Tu les dessines moins gros. J'ai compris, mon bébé. J'ai compris, oh Daniel. J'ai diminué. Tu sais, j'aime ça comme ça. Hein. Mais j'ai compris. Tu as le droit de donner ton point de vue. Thank you. Please, don't worry. Welcome to Guinea, please. Marie, my lovely brother, grandpa, thanks. Mon fils Touré. Tiens, vous parlez anglais aujourd'hui là-dedans. Ce qui fatigue les jaloux, là, ils se demandent si le mariage avec grandpa, c'est bouche ou bien si c'est réel. Donc, ils frappent fort. Mon cher, c'est pas une raison pour un. Hein. C'est pas une raison pour l'insulter, le traiter de tous les noms. Je suis désolée. Hein. C'est pas ça l'ivoirien. L'ivoirien est aimé parce qu'ils font rire. Plein de choses. Les gens nous aiment beaucoup, mais notre manière de mal insulter les gens, c'est ça qui n'est pas bon. Je t'aime, ma chérie. Longue vie à toi. Kadiatou Diallo, je t'aime aussi. Merci. Yaya Tanemo, thank you very much for your courage. Coucou depuis le Burkina. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon mentor, Papi Power de London. C'est lui qui m'a fait connaître sur les réseaux sociaux. C'était l'un des plus grands blogueurs. C'est lui qui a créé la Power Gang. Vous voyez que ma page là, c'est Doxy Yao. Et ça se termine par Power Gang. C'est comme ça que j'ai été connue. Papi Power de London, il a créé la Power Gang. Moi, j'étais la gros boubaba de la Power Gang. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon mentor. C'est lui qui m'a fait connaître. Autant il faisait le buzz. Les gens, vous savez, nos frères, là, quand tu mousses, tu es beaucoup suivi. Là. Au lieu de chercher à te copier, ils te signalent. Ils ont tellement supprimé ses pages que ouf, lui-même l'a laissé. Mais il a toujours une page. Il a une centaine de milliers d'abonnés. Mais à cause du travail, il n'est plus trop actif sur les réseaux sociaux. Donc, je vais lui souhaiter un happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, we feel. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, we feel Papi Power. Joyeux anniversaire, we feel Thierry Pogan, dit Papi Power de London. Un an de plus, c'est une grâce de Dieu. Je ne peux que te souhaiter que du bonheur. Profite au maximum, mon grand homme. Loin des yeux, près du cœur. Merci pour tout le soutien que tu m'apportes. Merci pour ton amour pour moi. Tu me prends comme ta sœur. Et depuis 2014, nous sommes toujours en contact. Tu es mon conseiller, tu es mon tout. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne une très longue vie, pleine de santé. Je t'aime de tout mon cœur. Profite au maximum. Que Dieu protège ta famille, ton fils. Que Dieu protège tout ce que tu aimes. Big up à toi. Joyeux anniversaire aussi à tous ceux qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire aussi à Alice Hanson. C'était son anniversaire ce jour-ci. Je n'ai pas
Alors, bon, je lui ai fait une vidéo, mais je n'ai pas pu la poster. J'en profite aussi de ce direct pour souhaiter la plus birthday à Alice Hanson, la distributrice de... déjà. Happy birthday, ma soeur. Longue vie à toi. Prospérité à toi. Succès à toi. Donc, merci mes bébés. J'en avais marre. Fallait que je parle. J'ai eu trop mal. Grande dame, j'aime beaucoup ta simplicité et ton humilité. Je t'adore. C'est quand tu viendras au Togo. Je vais te prendre chez Grand-Pé. Ferdinand, quoi, là, tu peux me prendre chez Grand-Pé? Tu es sûr que tu peux? Mais j'ai déjà été au Togo deux fois. Hein? Deux fois ou trois fois. Peut-être que je viendrai. Je reviendrai. Moi, je suis là pour faire le tour de l'Afrique. L'Europe ne me dit rien. J'aime l'Afrique. Vive l'Afrique. Le tourner en Afrique, il y a plus d'argent qu'en Europe, que le tourner en Europe. Je t'aime tellement, chérie. Charlotte, Pegita. Oh, I love you too. Je t'aime aussi. Envoie-nous le nom de celui qui a osé insulter Grand-Pé. Si Soko ou Mahalès, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. T'es la bienvenue chez nous. Merci. Merci chérie. Vis ta vie avec ton chéri. Le reste, qu'elle en l'air. C'est ça. Hein? C'est ça. Donc je vous aime. Mais il faut qu'on se sépare. Attendez. Mon anniversaire, c'est aujourd'hui, le 4 mai. Mohamed Kalandi T-Box, joyeux anniversaire à toi, mon super fan. Happy birthday. Que le bon Dieu t'accorde tout. Une longue vie pleine de santé, beaucoup d'argent. En tout cas, que tes projets aboutissent à l'accomplissement. Que Dieu te donne tout ce que tu veux, sauf ma mort. Demeure heureux surtout. Que la paix et la joie te contaminent. Je vais mettre un de mes sons. Ça, c'est mon son Never Give Up.
mon courage. C'est la force. Je prie beaucoup. Je demande cette force-là à Dieu de ne pas considérer tout ce qui est négatif. Donc, j'arrive à garder mon sang-froid. C'est pas facile, mais j'y arrive. J'y arrive. Yeah, yeah, je ne perds de personne. Donc, merci, mes bébés. Déconnectez-vous maintenant. Love you, love you, love you. C'est Dieu qui bénit. Jour et nuit. Personne n'a le droit d'insulter un être créé par Dieu. C'est tout.